C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est une nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Ce journal s'ouvre par cette information. Plusieurs jeunes sont réunis à Kinshasa dans le cadre de la table ronde inclusive. Activité organisée par le ministère de la Jeunesse, lancée par la première ministre autour du thème « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo ». Judith Suminois a interpellé la classe politique et la jeunesse à passer de paroles aux actes. Commentaire de Corneille Lebaki. C'est un échantillon de jeunes de plusieurs coins du pays et même de la diaspora qui ont été réunis dans le cadre de la table ronde inclusive de la jeunesse. Ce forum, organisé par le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, a pour entre autres objectifs la création d'un espace de dialogue constructif où les jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations. La première ministre Judith Suminois, qui a lancé ses assises, reconnaît que la République démocratique du Congo a organisé tant de forats qui n'ont pas accouché des résultats annoncés. Pour elle, cette activité doit réellement produire des effets. Je vous exhorte fortement à suivre avec intérêt les interventions de chaque participant et de participer activement aux échanges devant servir à l'édification et au renforcement des compétences de la jeunesse congolaise. Le temps est donc venu de passer à l'action. Évaluons, agissons et faisons en sorte que ce forum ne soit pas simplement un moment de plus, mais comme je l'ai dit, un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et de notre nation. La chef du gouvernement s'est prêtée à un échange direct avec le jeune, répondant à plusieurs questions. À l'occasion, Suminois Toulouka a tapé du poing sur la table contre les antivaleurs. Pour moi, je trouve inadmissible que quelqu'un vienne me voir et me dise « Écoutez, vous êtes première ministre, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de matricule ?» Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas commencer à distribuer à l'appel des numéros de matricule parce qu'on a... Aujourd'hui, on occupe une fonction. Il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont là à l'intérieur, ceux qui aujourd'hui ont les capacités demain de pouvoir occuper un certain nombre de postes. Et si on commence à le faire de manière correcte, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et ça, c'est aussi dans le changement de mentalité qu'il faut travailler. La table ronde sera sanctionnée par l'adoption des recommandations à soumettre à la classe dirigeante. Des financements sont aussi prévus pour accompagner des projets innovants des jeunes. Au lendemain du lancement de cette activité, d'autres jeunes ont manifesté ce jeudi devant le centre financier de Kinshasa où devrait se tenir le premier sommet de président de la jeunesse africaine. Forum reporté par la ministre de la Jeunesse dans la nuit du mercredi à ce jeudi. Le jeune reproche à la ministre Noëlla Aiyegana-Gatto ce report tardif alors que les délégations de plusieurs pays séjournent à Kinshasa. Suivi. On a invité plus ou moins 47 présidents africains. Mais si quoi est Batouana Bazaï déjà out. Au Kamati décision, peut-être tu n'as pas pu raisonner avant Kamati décision ou annuler manifestation. Ça, c'est humilier les peuples congolais, c'est humilier la jeunesse congolaise. Dans un autre chapitre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a présenté le Parlement congolais à la conférence sur le changement climatique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Jean-Claude Chilumbay a dénoncé les pillages et destructions des écosystèmes en République démocratique du Congo. Il était aussi ici nécessaire, l'occasion pour nous d'ailleurs de faire passer ce message important qu'en même temps que l'Afrique centrale discute des questions de changement climatique, des possibilités de réduire les effets du changement climatique et compte sur ce grand Congo qui est le pays indispensable, le pays espoir. Et en ce moment précis, nous sommes, nous le Congo, victimes de banditisme qui ne dit pas son nom, de pillage et de destruction
honteuse des écosystèmes dans les parcs de Virunga, entre autres par un pays africain, agresseur, le Rwanda, ici, je le cite. Donc c'était pour nous aussi l'occasion pour faire passer son message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Je crois que nous impliquerons davantage pour que cette cause triomphe, parce que l'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ses enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Voilà la quintessence de notre démarche en cet endroit précis. À Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a tenu mercredi 20 août 2024 une séance de travail avec ses collègues du portefeuille et des hydrocarbures. Ces échanges ont tourné autour de la problématique liée à l'assainissement et à la maîtrise des structures de prix des produits pétroliers. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des autorités des entreprises publiques dont Sonaïdroc et Kobi SA s'est penchée notamment sur la problématique liée à l'assainissement et à la maîtrise de la structure des prix des produits pétroliers. Veiller à ce que les sociétés d'État, dont notamment la société nationale Sonaïdroc, mais également Kobi, puissent bénéficier d'un appui du gouvernement en ce qui concerne l'offre de produits pouvant nous conduire à la maîtrise des coûts moyens frontières dans les cadres de l'assainissement de la structure des prix. Nous avons abordé la problématique des lignes de crédit qui ont été ouvertes au niveau des banques commerciales et envisagé des possibilités de collaborer encore avec ces institutions bancaires pour apporter notre concours en tant que gouvernement à nos flairons et améliorer l'offre de services, mais également maîtriser les prix à la pompe. De son côté, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, voit en cette rencontre la concrétisation d'une étape importante dans ce secteur au regard des stratégies envisagées par le gouvernement. Ce que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous venons de nous rendre compte, enfin de nous mettre d'accord sur le fait qu'il faut que nos deux sociétés fonctionnent de manière optimale. D'une part et d'autre part, nous avons aussi décidé de mettre en œuvre l'une des décisions gouvernementales qui consiste à accorder des préférences commerciales aux entreprises du portefeuille de l'État lorsqu'elles sont appelées à échanger entre elles. Aujourd'hui, il a été par exemple dit que s'agissant du marché produits pétroliers, nous allons prendre des mesures qui consistent à considérer que les entreprises du portefeuille qui consomment du carburant, nous considérons que des parts des marchés devaient être dédiées à nos entreprises du secteur pétrolier pour que finalement, en face d'une offre grandissante, le chiffre d'affaires puisse aussi grandir et le maintenir en équilibre financier nécessaire. Les trois membres du gouvernement souminois ont abordé également la problématique de la fraude douanière. Cette fraude, a souligné le ministre des Finances, impacte négativement sur l'offre de produits et les marchés, surtout dans la partie sud de la République démocratique du Congo. Parlons santé dans ce journal. La République démocratique du Congo enregistre 1372 cas suspects de la variole du singe dite monkeypox, dont 206 cas confirmés et 35 personnes sont décédées entre le 12 et 18 août 2024. Cette annonce est du ministre de la Santé publique qui souligne que le cumul de cas est de 801 dont 610 décès, soit un taux de létalité de 3,4%. Et toujours dans ce chapitre de santé, dans le cadre de la lutte contre les monkeypox dans le Nord Kivu, le gouvernement provincial a mis en place des dispositifs pour la prise en charge des malades des virus des vivres de nourriture sont donnés aux malades, mais aussi des stands montés pour la survie de cette population.
Dans la réponse, les malades sont isolés ici. On ne doit pas avoir de la nourriture qui vient de la maison pour réduire aussi les contacts des malades avec les membres des familles. Donc ça fait que, en tant que MEDER, lorsque nous prenons en charge ces patients ici, nous veillons aussi à ce qu'il y ait de la ration alimentaire. Donc ils ont un déjeuner le matin, ils ont la nourriture autour de 12h, 13h et ils ont aussi un autre repas le soir. Ça aide aussi pour bien les nourrir, mais aussi contribuer à leur rétablissement dans un délai assez rapide. Retour à Kinshasa, nous allons parler de l'éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 est prévue ce lundi 10 septembre sur toute l'étendue du pays. Comment se prépare cette reprise des classes à Kinshasa? La rédaction d'Actu 30 s'est rendue au grand marché de Kinshasa pour s'imprégner de la vente. Sur place, les vendeurs des objets classiques s'y plaignent. Pour eux, la vente tourne au ralenti. À 4 jours de la rentrée scolaire, les parents s'activent pour permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l'école en bonne et due forme. Au grand marché de Kinshasa, l'engouement y est, mais les vendeurs se plaignent. Pour eux, tout tourne au ralenti. Le problème est que au somba des amois passe. Au somba il y a une forme des amois passe puisque paraît-il que mon réseau mon amour. C'est ce lundi 2 septembre que les élèves vont reprendre le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Dans la province du Kasaï oriental, l'hôpital général de référence de Moya, dans la ville de Mbujimayi, a réceptionné un premier lot d'équipements médicaux pour ses nouvelles infrastructures modernes. Cette livraison marque une étape importante dans la modernisation de l'établissement visant à améliorer la qualité de soins offerts aux patients. Retour en images. L'hôpital général de référence de la Mouya, récemment modernisé, vient de franchir une autre étape de son histoire. Très grande joie quand je vois déjà un premier lot de matériel qui vient d'être déposé ici. Ce premier lot contient principalement les lits pour les malades. Il y a des tables de consultation pour les différents cabinets de consultation des médecins. Il y a également les tables opératoires pour le service de gynéco-obstétrique, donc pour la maternité. Mes premiers remerciements vont d'abord au premier citoyen de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi, et également aussi à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé et à tous les conseillers qui ont tout fait jour et nuit pour que ce matériel puisse arriver jusqu'ici chez nous. Il y a espéré parce que déjà le tout premier geste ici montre que toutes les autorités sont déterminées. Je sais que les malades que nous recevons passent nuit dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a certains même qui passent nuit dehors et certains cas qui sont hospitalisés dans les soins intensifs avec la chaleur, dans les bâches, c'est vraiment déplorable. Mais déjà, avec ce geste, nous espérons que peut-être d'ici, avec la détermination du ministre, plus tard au mois de novembre, Dieu aidant, la population sera dans de bonnes conditions. Je confirme, c'est la raison de ma présence ici. Et en fait, pour venir aussi confirmer que ces matériels sont arrivés. Effectivement, nous avions un lot important de matériel
notamment les lits et autres choses, les matelas et même un lot de médicaments. Il faut dire à la communauté, à la population que ce qui était un rêve est une réalité. Donc pour l'instant, que la population, que les personnels soignants, en fait, espèrent en nous un accompagnement. Donc nous étions ici il n'y a pas deux semaines. Voilà qu'aujourd'hui, les matériels sont là. Il faut pour dire que les gens ne dorment pas. À tous les niveaux, les gens sont en train de travailler pour que l'hôpital puisse en fait ouvrir ses portes. Et pour ça, que les gens se calment, nous pensons que les choses vont bien évoluer comme tout le monde le souhaite. C'est Narcisse Bintou, chargé des missions du ministre national de la Santé, Roger Kamba, qui a, au nom du ministre, remis ses matériels à cette structure sanitaire. Le ministre Dr Roger Kamba est vraiment déterminé. Il est déterminé pour que l'hôpital fonctionne correctement. Je peux remercier une seule personne maintenant là, c'est le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, d'avoir fait un bon choix. Il nous a donné un ministre de la Santé qui a les soucis de la population. L'hôpital général des références de la Mouya a été récemment modernisé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales. Restons toujours dans la ville de Mbujimayi où les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Mbujimayi et Mweneditu évoluent normalement. Cela a la satisfaction de la population. L'entreprise maître d'ouvrage est à sa deuxième face du tronçon Bena Bilonda vers la ville de Mweneditu. La suite, on serait dans ce reportage. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujimayi à Mweneditu avancent désormais à grands pas. Après la phase 1 réalisée en 2020, travaux qui avaient permis le revêtement de la section de 16 km allant du pont Lubilanji au village Bena Bilomba, c'est la phase 2 qui est en cours de revêtement et qui va de Bena Bilomba jusqu'au point kilométrique 55. Le sous-traitant Craig 7 finalise ainsi les travaux de cette deuxième phase sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics sur ce projet par la pose de la couche de roulement en enduit bicouche. Tout a commencé par un élargissement de l'ancienne chaussée avec un mètre supplémentaire de part et d'autre, puis une construction de la couche de fondation en grave latéritique avant la couche de base en grave non traitée de 0,31. C'est par la suite qu'une imprégnation est arrivée pour servir de zone d'accrochage aux matériaux qui suivent cette étape. Une intense activité qui mobilise beaucoup de matériel et du personnel. Le résultat, c'est une route nationale numéro 1, section Bena Bilomba PK55, qui se trouve toute métamorphosée. Aux endroits indiqués, des buses ont été installées pour le passage des eaux d'un côté à l'autre de la route et des caniveaux en moellons ont été construits dans les traversées des grandes agglomérations. La signalisation horizontale est annoncée pour le début du mois de septembre 2024. Concomitamment à ces travaux, la phase 3 du projet a débuté avec les travaux d'élargissement de la route existante à partir du point kilométrique 55 évoluant en direction de Mweneditu. La chaussée qui prend 2 mètres supplémentaires passe ainsi à 9 mètres de largeur, soit 7 mètres de la bande de roulement avec une surlargeur d'un mètre de chaque côté qui servira notamment de bande piétonne. Ils sont heureux, ces usagers et cette population locale qui attendent avec impatience la fin des travaux sur cette route, une route qui est la principale voie d'approvisionnement de la province du Kasaï oriental en assurant la connectivité entre la ville de Mbujimayi et la gare de Mweneditu dans la province de Lomami. C'est un plaisir pour moi de vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve le jeudi prochain. Bonne suite du programme.